bienvenue, on se retrouve pour plus de survie du week-end. Ok, eau potable, nickel. Donc la dernière fois, on s'était arrêté ici. On a eu un... On va prendre ça. On a 42. On avait eu un... Un petit brouillard cosmique. Avec de la lumière partout. Alors, est-ce que je vais faire des trucs... Ouais, on peut faire ça à la limite. On va faire des Raichi. Ok, très bien. Donc ouais, la dernière fois on avait eu ça. Et on s'était bloqué ici pour le moment. Ah bah tiens, on peut dessiner, voir un peu où on est. Parce que je sais pas vraiment où on est, honnêtement. Alors, nous on est là. Ah ouais, on est super bas. Ah, c'est ouf. D'accord, on est ultra bas en fait. Bah la carte elle est pas si grande que ça au final. On a un peu l'impression que c'est grand mais en fait pas vraiment. D'accord. Bon après la carte ça me dit pas vraiment plus que ça quoi. Ça me dit pas grand chose. Je crois qu'on est genre là. Bon, du coup on fait quoi nous? On monte par là ou pas? Bon, ça va, on a un beau temps, c'est bien. Ah oui, on a de l'insomnie aussi. Donc, faut gérer l'insomnie. Bon, nos 2 heures n'ont pas été trop chamboulées par l'insomnie. Parce qu'on avait dormi 2 heures à la fin de cet de l'épisode dernier. Ok, bon, bah c'est un cul-de-sac, ça va, ça marche. Alors, fais voir un peu. Faire ça. Encore heureux qu'on n'a pas pris le traîneau, hein. Ok, donc là on retomberait en fait sur le début. Ça marche. Est-ce que j'ai déjà essayé de prendre le travois avec une torche à la main? Je sais plus si je l'ai testé ça. Par contre, faudrait qu'on récupère un peu de bois, parce que là, on n'a plus rien. Et il va bientôt faire nuit. Donc, si là, sur ma droite, c'est le chemin principal, nous, il faut qu'on continue sur la gauche. Ouais. Nous, il faut absolument qu'on continue dans cette direction, en fait. Si je dis pas de bêtises. Je sais pas ce qui s'est passé avec la torche. Ouais, on a dû l'éteindre tout simplement. Ok, donc... Pas là. Où il y avait une sorte de flash. Ouais, on va éviter de prendre le travois avec la torche allumée. On va éviter ça. Aïe, 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 aïe. Alors... Là, du coup... Je vais voir un peu... Le passage rocheux. Donc du coup, il faudrait faire ça. Ok, ça marche. Enfin, techniquement, on n'a pas besoin de passer par le passage rocheux. Il est là. Donc ouais. Donc, ligne droite. Ligne droite. J'ai bien envie d'aller voir en haut ce qu'il y a, mais je pense que le plus important pour le moment, ce serait de ramener de la viande en fait au camp. Pour qu'on fasse un peu le tri de ce qu'on a récupéré. Et poser les pots aussi pour qu'elles sèchent. Ah là là, c'est chiant ce système. Ah merde, il y a du bois encore devant moi.
Très bien, ça va, il fait pas trop froid. Bon, nous on a eu quoi? On a eu tempête, puis après on a eu... Enfin, on a eu blizzard. Puis après on a eu donc le blizzard électrique. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Plus ou moins l'un après l'autre en fait. Donc du coup c'est un peu... C'est bien que maintenant il fasse un peu meilleur. Ah, mais bon. On va s'en sortir, hein. Là on rentre avec quoi? Une quinzaine de kilos de viande. Je vais être honnête, je serais pas contre, si jamais je retrouve où est l'ours, je serais pas contre tout récupérer. Ah voilà, là c'est le toxique. Ok, ça marche. Donc là c'est plus vers la route centrale. Ouais. Ouais. Donc ça, ça a du sens, ça y est, je commence à me faire un peu la carte dans la tête en fait. Donc nous on veut aller par là, donc du coup on est sur plutôt le côté gauche de la région. Et après, on va bifurquer vers la droite qui va nous mener aux mines. Tout simplement aux mines. Donc ça va. Je commence à me faire. De ce côté-là commence à aller. Ça va. Bah tiens, il est là, l'ours, je crois. Parce que je veux bien récupérer quelques petits kilos en plus, en fait. Voire limite tout, ce serait vraiment bien. Il a l'air de faire assez joli. Peut-être qu'on peut faire un feu si vraiment on a froid. Il y a quoi? Il y a encore 11 kilos de viande. C'est... Ouais, on peut. Il y a encore 11 kilos de viande quand même. Je dirais pas non, franchement. Il y a plein de champignons là. Je dirais pas non. Est-ce qu'on a assez pour faire genre une heure de feu? Ça devrait aller. Comme ça, on cuit deux steaks supplémentaires. Ouais. Comme ça, on cuit deux steaks supplémentaires. Donc du coup, ça nous, ça sera, y aura ça de pas à faire déjà. Et qu'est-ce que je peux faire après? Bah après on se débrouille quoi. Ok, très bien. Ok, très bien. On va mettre une boisson pour le moment, pas à côté, mais on va la mettre là. Comme ça on la mettra au feu directement si jamais... on doit partir, genre on se réchauffe et on part. Très bien. On va d'abord prendre ça, puis après on va essayer de couper le plus de viande possible qui reste. Est-ce qu'on peut passer par là? J'ai cru voir un peu de vert, genre comme si c'était toxique. Après, techniquement, on devrait pas aller au centre de la carte parce que c'est où il y a le toxique. Donc nous, on n'a pas d'équipement. Puis là, en fait, ça doit être un cul-de-sac au final. On va voir, peut-être que c'est un bon endroit pour dessiner. On va devoir peut-être prendre du café par contre. Ah, parce qu'elle fatigue. Ça c'est le chemin. Ouais, c'est bon, on est pas loin en fait. Hein. Ah mais là on va devoir passer du toxique. Ouais, on va devoir passer du toxique deux fois. Non, c'est trop. Je vais. Non, on va pas faire ça. Techniquement, on peut descendre, même avec le travois, techniquement. Je pense qu'il y a un passage. Mais on doit passer du toxique au moins deux voire trois fois. Donc, je veux pas faire ça. Parce que notre équipement va commencer vraiment à prendre très, 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 très cher. Et ça, ça va créer des problèmes au bout d'un moment. Parce qu'on a, techniquement, on a toujours pas de peau hein, qui est en train de sécher. Hein. On a toujours pas de peau.
donc ça c'est un problème. Dites-moi ce que vous en pensez des animations. J'ai pas trop vu de gens parler. Donc je sais pas vraiment ce que pensent les gens de ce système d'animation. Très bien. Une minute. Minutes, merde, il me faut encore un peu de bois. Ouais, nous on va passer par là. Normalement, avec le temps, bon, si je trouve des bouts de bois, parce que on devrait pouvoir. Ah, il y a un pont là. Ah non, là je peux pas passer avec le travois. Faut que je passe par l'autre côté pour le travois. Ou alors à la limite, on le plie. Mais il faudrait qu'on soit sur cette rive-là. Intéressant. On va prendre les plantes, là, au cas où aussi. Il y a des massettes. Ah, qu'est-ce que c'est long, ces trucs. Nickel, ça va dépasser l'heure. Très bien. Aussi, je commence à prendre beaucoup de champignons et tout ça, parce que j'ai pas envie de tomber à court, en fait, de liquide à chauffer. C'est quand même vachement utile. Ok, nickel. Ouais, on va pouvoir tout prendre. Alors il paraît qu'il y a des bugs avec ces animations, évidemment, hein, évidemment. Sur les forums de Steam, les gens parlent du fait que apparemment notre condition ne descend pas tant qu'on est en animation. C'est-à-dire que genre on peut avoir froid. Ça c'est cuit ou pas? Cuit toi. On peut avoir froid. Non mais ça sert à rien, on n'aura pas le temps de t'en faire cuire d'autres. Et on perdra pas de pourcentage de vie. Tant qu'on est en animation. Donc ouais. C'est un peu étrange, mais. Il y aurait ce bug là en fait. Par contre j'aime pas aussi le fait qu'on voit notre souris là en plein milieu. C'est un peu débile. J'aimerais bien qu'elle soit. Elle soit cachée. Je vais être honnête, je voudrais bien rentrer. On va faire chauffer un café en fait. Ils sont où les cafés? Je vois un peu, ça c'est quoi? C'est du 1 kilo. Pour un boyau. On va récupérer le plus de boyaux possible aussi. Après, techniquement, on a les loups qui sont morts à l'extérieur de notre camp. Donc on n'a pas vraiment besoin de boyaux. On en a combien? 4, 5? J'en sais rien, ça vaut le coup en fait. Non, j'ai envie de partir maintenant. Non, marche arrière.
Ah, et du coup, il faut qu'on aille sur la glace. Ah, par contre, vous voyez l'arbre à gauche là, qui est en train de mourir, qui est quasiment mort là. Ça, c'est une bonne indication aussi qu'il va avoir du toxique. J'ai remarqué aussi que les arbres étaient morts. Donc ça, c'est une très très bonne indication. Ah, putain. On va être bloqué. Hein. Peut-être que je peux faire le tour comme ça, là. On va voir. Sinon, je transvase, c'est pas grave. De toute façon, c'est de la viande, c'est rapide à faire, parce que vous avez juste besoin de faire une touche, genre poser un leurre, ça va poser la viande. Donc bon, c'est pas très très compliqué. Est-ce que je peux aller sur la glace? Normalement, oui. Oh putain... J'avoue que... Alors, je kiffe, hein, comme d'habitude, je dis, hein, c'est du 10 sur 10, hein, le travaux. Mais j'aurais bien voulu avoir quelques petites mécaniques supplémentaires. Alors, un truc qu'ils ont fait aussi, c'est que vous avez remarqué que dès que le travaux, en fait, ne peut pas aller à un endroit, il va s'arrêter bien avant. En fait, le jeu va vous dire que vous pouvez pas vous déplacer avec le travaux, par exemple. Et du coup, ce qui est embêtant, c'est que ça empêche d'être, par exemple, au bord d'un rebord, du coup. Voilà, par exemple, là, genre, imaginons qu'on est, genre, à l'arbre devant moi, on est au-dessus, et on met le travois, donc, juste à côté de l'arbre. Moi, je descends, et j'attrape ce qu'il y a dans le sac, je le mets par terre, et après, j'attrape le travois et je le mets par terre, vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, ça, on peut pas le faire, parce que, du coup, à chaque fois, le jeu vous bloque, en fait, avant d'arriver au rebord. Donc ça, c'est un peu embêtant. Ouais, je me rappelle de ça. Donc nous, on bifurque à gauche et après à droite. Putain, nickel, ça tue. Vache. Il paraît aussi que le fait d'avoir de la nourriture, comme d'habitude, comme sur nous en fait, ça marche pareil. Apparemment, ça pourrait attirer les bêtes de travaux. Je vais être franc, il faudrait faire vraiment des vrais tests. Ouais, ça c'est notre grotte. Je l'avais dessiné notre grotte ou pas? Ouais, elle est là. Ouais, on est là, du coup. C'est bon. Ça va, c'est cool, sympa. Ah, le travois, ça change tellement la vie. Oh, mon Dieu, pourquoi ils ont pas fait ça avant, putain? Pourquoi ils ont vraiment pas fait ça avant? Ça, c'est des opportunités gâchées, quoi. Alors, là, on a... On a encore une grotte. Donc nous, on veut aller maintenant sur la droite, je crois. Alors, attendez, on va le poser là. Est-ce que c'est toujours chaud ou pas? Ah, oh, yes. Oh, on a eu de la chance. Par là, hein. Je crois que c'est par là, hein. Maintenant. N'oubliez pas, bien sûr, d'aimer la vidéo, hein. Si vous pouviez, genre, juste cliquer sur j'aime, ça m'aiderait. Ça, c'est les choses que je dis pas. Bon, on va parler de tout et de rien, parce qu'on est en train de rentrer. Hein. Le sentier du minier. Ah, merde, attendez. Ça, c'est nouveau, pardon. Où est-ce qu'on est? Sentier du minier. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a combien le... 69. Nice. Est-ce qu'on peut... Ah non, il fait trop nuit là. Ouais, non, il fait trop nuit. Mine site. Ok. On a trouvé une mine. Mine de Langstone. Zone de contamination. On peut voir. Il n'y a pas... Un somnol, ok, ça marche. Putain, j'ai eu peur, le rouge, là.
On a trouvé une mine. Bon. Déjà, ça veut dire qu'on peut passer la nuit ici sans problème. On a plein de nourriture, on a plein d'eau, il n'y a pas de problème. Bon, déjà, on est tranquille. Il y a quelque chose dedans? Putain, oh la vache, il a deux, il a presque 3 litres. Oh mon dieu, c'est une... Ah. J'arrive pas à voir si c'est contaminé, genre s'il y a du gaz ou pas. Alors attends. Ça. C'est bien. On va jeter, on va mettre ce qu'on a là là-dedans. Il doit avoir 0,001. Très bien, on est à 44. Qu'est-ce qu'on fait? On dort ici ou pas? On va poser des trucs dans le travois. Et je vais descendre à pied. Et si jamais il n'y a pas grand-chose d'intéressant, on va peut-être dormir ici. Parce que bah, on est tranquille ici en fait. Alors ça... ça, on va peut-être le garder si jamais on veut faire des... beaucoup d'eau. Quoique, honnêtement, de l'eau, on en a. J'essaye de baisser mon poids le plus possible. Très bien. Bon, on va dormir ici. Oh. Très bien. Encore heureux qu'on se fait plus vraiment chier avec les flèches durcies au feu, là. C'était chiant, hein. Moi, le truc, c'est que c'est bien, vraiment, si vous voulez monter archerie. Mais après, vous prenez pas la tête avec ça. Le fait d'avoir deux types de flèches, au final, c'est pas vraiment très très intéressant. Ça qui est un peu bête. Moi, j'aurais... Je pensais vraiment que ça allait être des versions améliorées. Genre des flèches améliorées. Au final, non. C'était l'inverse. Les flèches au feu là. Mais ouais, c'est un peu bête. Alors du coup là on est où? Bon, le problème c'est qu'on pourra pas passer par là avec le travois. Il y a rien qui bouge. Il y a du bois. Ah, dans le travois, on a des pots. Faut qu'on les prenne. Même des boyaux. Faut qu'on les sèche. Ouais. C'est quoi ça? Non, c'est un tronc d'arbre, ça. Bon, bon, bah ça sera pas par là. Maintenant la question c'est, est-ce que ça mène vraiment à quelque part? Pas d'autre chemin en fait. Non, ok, donc ça c'est un cul-de-sac, donc faut pas le prendre. Va falloir partir.
Comment on n'a pas vu ça la dernière fois quand on est venu? C'est faux ça. Comment ça se fait que je l'ai pas vu? Drop any of this gear. Ouais, on fera demi-tour, c'est pas grave. On va aller se reposer à l'intérieur. Donc là, il y a une mine avec une corde, faudra s'en rappeler ça. Et honnêtement, c'est vraiment une zone très très avancée hein, pour se balader. Hein. C'est vraiment super super avancé parce qu'il faut, du matériel tout le temps. C'est ça, c'est séchage. Très bien, et très bien. Voilà. J'ai pas. Bon, techniquement, j'ai pas vraiment faim, mais. On va prendre. Normalement, je crois que j'ai un ou deux steaks qui sont cuits dans le bordel. Donc, on va prendre ça. J'en ai un peu plus, c'est bien. Je regarde s'il n'y a vraiment rien d'autre. On va voir un peu comment ça se passe l'insomnie, parce que là on va dormir pendant longtemps. Je m'éloigne des câbles au cas où. Alors, on va passer notre temps avec ça déjà, comme ça ça sera fait. Après, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on peut pas voir avec les mains en fait. Faudrait d'abord couper un truc et après voir avec les mains. Parce que des fois, je regardais combien de temps il faut pour avec les mains et après avec outils en fait, sans outils et outils. Maintenant, enfin, faut garder tout ça en tête quoi. Ou alors, il faut juste couper un petit morceau puis après, on a les mains disponibles. Donc, une heure. Ouais, on va prendre ça. De toute façon, le couteau, on a. Je crois qu'on a deux pierres pour aiguiser. Donc, franchement. Deux pierres, c'est quand même, je crois. Je sais plus combien. On répare 5%, je crois. Par aiguisement. Ok, très bien. Ça, est-ce qu'on les prépare ou pas? Je pense pas qu'on va les préparer. Parce que on peut les utiliser dans des plats, donc autant les garder. Très bien, très bien. Et on va dormir le plus possible. On est bon. Ouais, on va dormir le plus possible. J'espère que le temps va pas être trop pourri quand on va se réveiller. Parce que là, on était bien parti pour rentrer en fait. Bon bah, ça va. Sert à rien l'insomnie. Faut être honnête, hein, sert à rien du tout l'insomnie. Par contre, je pense qu'on a vraiment un très mauvais temps. Je vais voir un peu. Est-ce qu'on peut faire du feu à l'intérieur? Ça va. Bah attendez, on va en profiter. Yes, let's go. Ouh, fait froid. Hein. Ok, on va regarder... on va regarder la carte un peu plus... on va analyser un peu plus la carte. Alors, fais voir. Quoi? Ah, vallée de rivière. Putain, fais chier. Zone de contamination. Voilà, okay. Donc nous, on est là...
Putain, par où on est passé? Donc on n'est pas passé par là, donc on est passé, on a continué le la glace en fait. Ouais, en fait non, il faut suivre ça, je crois. Si, il faut suivre ça. Vous vous rappelez que... Oh putain, alors, attendez. Quand on avait continué là, on avait un tuyau. Vous vous rappelez le tuyau? Le tuyau, il menait où? Il menait à de l'eau. Enfin, gelé, un lac, quoi. Une rivière. Donc je pense que cette rivière connecte. Donc il faut suivre la rivière, en fait. Ok, ça marche. Ok. Ça va, j'arrive à gérer l'endroit. Ça va, c'est cool. Alors, est-ce qu'on peut faire un feu? Non, putain, ça c'est débile, quoi. T'appelles ça un camp intérieur? C'est une mine. En plus, c'est tout ouvert, là. Oh, mon Dieu. Ça, par contre, ça, c'est vraiment débile, quoi. Ça, ça te restreint trop, en fait. Parce que je voudrais peut-être faire un café, hein, au final. Alors, on va d'abord se réchauffer un peu. On va passer du temps. 30 minutes. Oh, bon, ça va. Il y a une chose qui est un peu embêtante, peut-être à la limite, qu'on pourrait améliorer avec le travail, c'est comment on transvase en fait les objets. Il faudrait pouvoir avoir une option de savoir quoi mettre, d'avoir un onglet en fait, genre customisable. Parce que là par exemple, je voudrais mettre genre une partie, mais pas tout, vous voyez. Parce que là en fait, je devrais faire genre tout mettre dans le container, bah du coup oui, mais ça m'aiderait pas en fait de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, coup de demi-tour. C'est pas mal. Donc là, on retourne sur la glace. La glace, elle est à gauche. Si je dis pas de bêtises, j'aurais dû regarder avant. Ok, cool. Oh! Oh merde. Oh non, je peux plus le bouger. Je peux plus faire... Attends, vas-y. Est-ce que on peut gruger comme ça ou pas? Non, je peux pas. Ouais, parce que je suis en descente. Oh merde. I can barely walk with this much gear. Oh la vache. Faudrait une option aussi pour le travail. Est-ce que le travail il est en rapide? Pas du tout. Putain, ils sont vraiment teubés. Hein. On peut le mettre en rapide? Non, on peut pas. Mais merde! J'ai la merde. Restons concentrés, parce que là on commence à faire de la merde, on perd du temps, ça devient relou là. Ça devient un peu débile. On chasse le cerf? J'ai envie de dire honnêtement, autant y aller full, hein. J'ai envie de dire, si on est là pour faire de la nourriture et ramener de la nourriture, autant y aller à fond, hein. Y a pas, ce serait con de passer à côté, hein. On a du matos.
On a du matos. Autant... Il fait pas si mauvais. À la limite, on peut faire demi-tour et on a une mine. Moi, j'ai envie de dire... Go, hein. Puis en plus, il nous faut la peau. On se met là, on fait du un feu. Et hop. Ah putain de merde. T'es sérieux? Non, 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 monte pas, monte pas, monte pas. Attends, il va redescendre. On va le laisser redescendre. On va prendre du bois. Ah, on va avoir froid. Ah, chasser avec du tremblement, ça c'est la merde. Quoi. Oh putain, il reste en haut, ce con. Damn, I'm freezing. Il reste en haut? Ouais. C'est pas grave, on va le dépecer en haut et on descendra tout. Mais j'avoue que là, le froid, ça va pas vraiment m'aider. Faut pas qu'on le tue dans la descente, sinon c'est mort. Là, on va plus rien pouvoir faire. Faudra faire un feu un peu plus loin, faudra se réchauffer, monter au cadavre, redescendre au feu, monter au cadavre, c'est horrible. Bon, par contre, ouais, trembler, ça va être chaud. On va essayer de viser la tête. Si on le loupe, de toute façon, ça lui fera pas peur. Nickel. Nickel, nickel. Attendez. Ouais, peu importe. Le temps a l'air d'être pas mal ici. Alors, on a du blizzard, oui. On a du blizzard électrique, oui. Mais c'est pas trop de ce que je vois. Donc honnêtement, c'est pas mal, j'aime bien. On va mettre un charbon. Ça, comme ça je peux me déplacer sans problème. Alors en premier, la peau. Pourquoi je cuis d'abord l'ours? Parce que l'ours donne plus de calories, hein, tout simplement. C'est 1100 et quelques, alors que le gibier ça va faire 100. À prendre des plumes aussi. On va prendre ça. Très bien. On va mettre ça par terre. Pas pour le chauffer, mais le chauffer si jamais le vent se lève. Bon ben voilà, on fait tout d'un coup là. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. C'est cool. Si jamais on arrive à rentrer avec tout ça, c'est bingo. Hein. Là, c'est vraiment cool. Là, ça sera vraiment une bonne chose. 11 minutes. C'est tranquille, ça se passe bien. Qu'est-ce que j'avais dit par rapport au vent?
Qu'est-ce que j'avais dit? Prends le dernier steak. Let's go. C'est un pont ça? Au-dessus de nous là? Sûrement un pont. Alors après je sais plus vraiment si le chemin là qu'on avait pris, est-ce que c'était simple à parcourir ou pas? Est-ce qu'on peut passer avec le travois? Honnêtement je sais pas, mais je sais plus. Mais à la limite, on pourra ramener le travois le plus possible proche de la base, en fait. C'est comme j'ai dit, je voudrais commencer à déjà laisser sécher toutes les peaux là qu'on a. Puis après, on rentre. Comme ça, déjà, ça sera... J'aurai moins de soucis par rapport à ça. Aussi, vous vous rappelez, on avait trouvé un cerf mort. Je voudrais récupérer sa peau. Il faudrait bien dessiner ici. Hein. Pour avoir la continuité de la carte. Ouais. Ah, c'est le vent en fait qui fait froid. Qui est froid. C'est pas vraiment l'ambiance. Voilà, ah, c'est bien ça. Okay. Je vois pas pourquoi ça a pas été rajouté dans le jeu. Il y a des années, le travois, c'est abusé quand même. Est-ce que c'est... Je sais même pas si le travois c'est gratuit ou pas. Je sais plus. Ou ça fait partie du DLC. Alors, est-ce que je peux passer par là? Non, on va passer par la gauche. Alors j'ai remarqué, ça c'est peut-être un petit bonus de savoir ça, je pense que le travois s'arrête directement où on peut pas vraiment passer, c'est quand on est en pente et vous avez le... Pardon. What? Je raconte. Débile. Ça c'est un bug par contre. Quand vous avez le petit symbole pour dire que vous risquez de vous fouler la cheville, vous savez, parce que c'est trop pentu, mais... Fous de ma gueule, mais... Mais... Mais oh. Donc ouais, ça ouais. Ça j'ai remarqué. Et du coup, le problème c'est que si jamais vous descendez un peu trop et que le travois en fait met un peu du temps à comprendre qu'on est dans une pente, vous pouvez plus revenir en arrière aussi. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Voilà, on essaie de se bloquer par rapport au vent. Vous avez vu que quand il n'y a pas le vent, on prend rien. Voilà, maintenant on pourra... franchement, je crois que le prochain épisode... Bon là, je sais pas quand on va arriver, mais... Le prochain épisode, je pense qu'on va se concentrer sur les bâtiments maintenant. Parce que là, on peut gérer les bâtiments. On a du fuel, encore plus de fuel que prévu. On a plein de nourriture, on peut rester longtemps à manger. On n'a pas plus besoin de chasser pendant très longtemps. Est-ce qu'on a pris toute la viande de l'ours? Je crois qu'on a pris toute la viande de l'ours. Non, honnêtement, c'est tip-top. Tip-top. Je suis content. Donc là, en théorie, tout droit, on devrait retomber sur la rivière avec le pipeline, ou je sais pas quoi. Par contre, on va sûrement devoir décharger le travois à un moment ou à un autre. Je suis quasiment certain.
Ça m'étonnerait qu'on puisse rentrer pile devant la base avec. Ça m'étonnerait. Mais bon, au moins on est proche. Attends, on va laisser là, parce que j'ai pas envie de trop le monter pour rien. Si, c'est là, c'est bon. Ouais. Alors attendez, on peut passer par là. Il y a encore des loups? Non, c'est les loups qu'on a tués. Comment on fait un aller-retour pour monter et descendre? Comment on fait? Où est-ce que c'est? Il faudrait descendre là, en fait, au centre. Je sais pas si c'est possible. Ah, par contre, un truc qui est embêtant, c'est que là, le vent s'est calmé. Donc, du coup, il fait moins froid. Mais bon, nous, on est déjà à zéro, quoi. Donc, bah, du coup, on a froid. Là, c'est embêtant, ça. Alors, où est-ce qu'on peut... Ouais, du coup, en fait, faut passer par là. Faut pas monter du tout, hein. Non, mais faut pas monter du tout. Je fais de la merde, hein. Non, mais je... Ouais, c'est pas grave. On apprend, mais... Oui, non, faut pas du tout monter. Hein. Constamment rester en bas. Il y a plein de branches comme ça, de grosses branches aussi, abîmées. Enfin, qui sont tombées des arbres. Donc, du coup, on pourrait les couper à la hache pour récupérer des bûches. Ah, putain, je suis content. Vous imaginez même pas comme je suis content, en fait, de cette mécanique. Est-ce qu'elle est bien? Ça aurait dû sortir depuis très longtemps. Faut que j'arrête de le dire, hein. Je sais que des fois, je répète un peu les choses, mais c'est vraiment fun. Hein. Genre, on aurait jamais pu faire ça, en fait. On aurait dû faire des allers-retours. Là, il y a un bois. Enfin, un bois. Une plante. Ah, merde! Ah, je fais de la merde. Ah, non, je fais de la merde, j'ai pas vu. Ah, il faut passer ça, en fait. Ah, bah... Bon bah je fais de la merde. On va peut-être devoir s'arrêter et faire un feu hein, parce que avec le temps qu'on passe là. Bon bref, pas grave. Non mais sans le travail on n'aurait jamais pu faire ça. Parce que là on a au moins 40 kilos de viande. Enfin on en a mangé. Allez on va quasiment certain qu'on a un bon 30 kilos de viande. On fait des dessins. On fait des dessins dans la neige. Aïe, aïe, aïe. Ce qui serait marrant, c'est qu'on arrive à passer le travois avec le tronc, là. Mais ça m'étonnerait. Je sens qu'on va se bloquer. Bon, ça va prendre un peu de temps, là. Donc on va devoir faire un feu. Ouais, ça va prendre un petit peu de temps, donc faut qu'on fasse un feu. Absolument. Je sais qu'on avait du charbon.
Alors après, honnêtement, le feu, on peut s'en passer. Mais comme j'ai dit, j'ai pas vraiment envie d'être... d'être... bas en vie, parce que sinon ça devrait dire que je devrais peut-être passer plus de temps à dormir et tout ça, et j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Come on, little fire. Bon, par contre, faut que je fasse un peu attention à mes boissons là. Voir un peu ce qu'on a et tout. Que je les utilise un peu vite. On en a toujours en réserve, hein, mais... Genre le reishi, on va faire du reishi. Vous entendez le corbeau? Il faut qu'on récupère la peau. Ça, c'est des choses que, techniquement, on n'aurait pas trop de problèmes si on avait un thermos, encore une fois. Ah, je sais pas exactement si ça nous poserait problème ou pas. Je vais être honnête, je sais pas. Alors... Merde, attends. I'm not going to be able to carry this load for much longer. Ah, mais j'ai tout pris. Non, non, j'ai pas tout pris. Aïe, aïe, aïe. Ah non, ça c'est les loups. Ouais, notre cerf, je crois qu'il est juste devant. Je crois que la pente, elle était super rude, donc du coup, on va devoir descendre la pente aussi. Bon, ça, c'est un peu le problème. En fait, c'est la barrière qu'on a avec le travail. La barrière, elle est ici. Après, techniquement, on peut faire un peu tout le chemin avec le travail. Donc ça, c'est une bonne chose. Si ça devrait être bon. Nickel. 59%. Les pourcentages sont un peu bizarres. Des fois, vous avez vu que ça c'était à 60. Puis après, maintenant, ça dit 59. On va faire transférer tout. D'accord. Ça n'a pas marché. Ok, ça va. Il était où le cerf? Bah attendez, d'abord on va prendre la viande et après on va chercher le cerf. Il était sur la droite et c'est sur la gauche. Je dirais qu'il est sur la gauche. Honnêtement, je pense qu'il était là. Hein. Il était juste là. Hein. Je pense qu'il a disparu parce qu'on l'a touché. Ça me fait un peu chier par contre. Pourtant, on n'a pas pris de viande, rien dessus. Mais je crois que... Ouais, non, mais je crois que ça l'a fait partir. Ça l'a fait despawn, en fait. Un truc que vous pouvez faire aussi, maintenant que j'y pense, c'est si vous connaissez exactement les endroits
qui sont des barrières, comme là par exemple, là, pour le travois je parle. Ce que vous pouvez faire, c'est un travois d'un côté et un autre travois de l'autre. Ça peut être une solution. Comme ça, vous n'avez pas vraiment besoin. Enfin, quoique, dans un sens, c'est la même chose, parce que vous devez transférer de toute façon les aliments. Enfin, les choses lourdes. Donc, à la limite, ouais, c'est du pareil au même, quand même. Ouais, on va dire que c'est du pareil au même. Non, oubliez ce que j'ai dit. Ça c'est cuit. Ok, nickel. Il était où ce con de cerf? Je suis sûr qu'il a disparu parce que on l'a touché, parce qu'on l'a ouvert en fait. Enfin, ouvert. Dans le sens où on a ouvert le menu, quoi. Ou alors j'ai vraiment pas de mémoire par rapport à où il était, mais moi je suis sûr qu'il était dans la montée. Hein. Quasiment certain. Ah, ça m'embête, ça. Si jamais vous voyez des trucs comme ça, ne les touchez pas. Si vous avez pas l'intention de prendre ce qu'il y a dessus, en fait. Ah, ça fait chier. Ça aurait pu faire une deuxième peau de cerf. Ah, merde. C'est chiant, ça. On va rester super longtemps dans cette zone. Ah, il paraît que c'est la zone la plus grande du jeu maintenant. Le bâtiment. Le bâtiment de la mine, là où on est, il paraît que c'est le plus grand du jeu. Avant, c'était le barrage de Carter. Maintenant, c'est celui-là. Donc, c'est assez intéressant. Bon, là, faut faire attention parce qu'on est de retour avec les loups. Alors, en théorie, on a tué tout le monde. Les loups qui avaient fui, je me rappelle qu'à un moment ils avaient fui. Mais c'est ceux-là qui nous ont rattrapés derrière et on les a tués sur le lac. Hein, c'est le problème. Ça va, on arrive. Ouais, et les prochains épisodes, ce sera bâtiment. Et ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé un jerrycan supplémentaire. Donc du coup, on peut même se balader en pleine nuit et garder la lampe allumée tout le temps. Parce qu'on a, vraiment beaucoup, beaucoup de fuel. Donc, c'est tranquille. Pourquoi il y a des corbeaux, là? C'est un loup qu'on a tué, aussi? Dormant. J'ai vu des personnes parler des mécaniques des loups là, genre qui font du poison. Alors moi ça me dérange pas, je trouve que c'est plutôt fun. Après, est-ce que j'aurais voulu... Attends, on va peut-être pas pouvoir passer. Est-ce que j'aurais voulu quelque chose de nouveau? Peut-être. Genre un peu spécial comme les loups gris par exemple. Peut-être. Mais ça me dérange pas vraiment que ça soit. Parce qu'ils sont déjà très chiants par rapport au poison. Alors honnêtement, ça me dérange pas. Oh, tu vas me dire qu'on peut rentrer là tranquille? Oh, et on peut se décharger ici? Oh, ça tue! Ça tue. Et je peux faire un feu là ou pas? Ah non. On valide. Ah putain, tu me fais chier le jeu. Ça par contre, voilà, ça c'est encore une connerie. Ça, il devrait faire... Il devrait checker en fait chaque bâtiment comme ça, ouvert en fait. Et pas le faire automatiquement. Attends, c'est quoi ça? J'ai cru... Ah non, c'est la roue. Bon, du coup, il était où le bâtiment avec...
Avec un bidon là. Je l'ai pas rêvé quand même. Non, c'est pas celui-là parce que là c'est toxique. J'y serais pas allé. Là aussi c'est toxique. Mais je l'ai rêvé le bâtiment ou quoi? Putain, je comprends rien du tout. Désolé, hein, je perds la tête. Il y avait un truc ouvert comme ça, et il y avait un bidon où on pouvait faire du feu. Je deviens fou, c'est ça? C'est pas grave. Parce que si je peux pas faire un feu ici, ça sert à rien de rester là. Hein. Ça sert à rien de décharger ici. Hein. Moi, je pense que c'est là, du coup. Il y a du toxique par contre à droite là. Non, c'est pas là. Bon, on va fouiller. À un moment ou à un autre, peut-être que je ferai quelques passages entre les épisodes par rapport à la nourriture, parce que là on a quand même énormément de viande. Et j'aimerais bien en fait en avoir d'avance. Donc peut-être que je vais genre faire une heure de cuisine. Parce qu'on a plein de bois. Et honnêtement il y a du bois partout ici en plus de toute façon. Et peut-être qu'on va... Je vais cuire énormément de viande. Parce que là on a plein de viande d'ours, on a plein de viande de cerf. On va pas les utiliser pour le... Pour la cuisine. Parce qu'on n'a pas d'huile, rien. Donc voilà, donc autant tout cuire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, on peut manger quand on veut. J'ai une touche qui va directement... Ouais, attends. Non, j'ai pas de touche qui va directement à l'état. Après, on peut faire ça. Okay. C'est pour le poison. Ok, ça va. Le poison, ça abîme les vêtements aussi. Ah, mais putain, c'est chiant ces trucs. Mais... Lâche-moi. Il y a des établis partout, ça c'est vachement bien. Putain, quand je me dis que l'aéroport c'était tout pourri, qu'il n'y avait qu'un établi, genre il est complètement dans le noir et tout ça. J'imagine qu'ils nous ont un peu écoutés par rapport à ça. Je suis un peu parano, mais c'est important. Fra, je devrais rentrer avec les pots aussi, pour les faire sécher directement. Ah, parce que vous voyez à gauche, il n'y a que le toxique. Et on a vu qu'on n'avait pas besoin d'être dedans hein, pour subir les effets. Hein, donc... Ah, on devrait arrêter l'épisode aussi, j'ai pas vu. Je m'amuse tellement dans cette nouvelle zone que je vois même pas l'heure passer en fait. Bon, par contre, je suis un peu déçu des loot. Hein. On n'a strictement rien. Est-ce que je peux aller dans cette partie par contre? Ça a l'air d'être ok. Il y a beaucoup de rien. Hein. Beaucoup de rien. Corne établie. Par contre, il y a un tiroir là.
Il y a un cadavre. Oh mon dieu. Oh mon dieu, j'ai eu peur. Oh la vache, j'ai eu peur. Ouais, ça fait chier. 75%. Oh mon dieu, j'ai eu peur d'être bloqué. Je me suis dit, il faut casser le saut là. Ouais, nos chaussures, elles prennent cher. J'ai l'impression que les gants aussi, en fait, prennent cher. Mes gants, ils sont quand même vachement abîmés. Hein. Mais bon, les lapins, ça va. Oh, j'avais pas vu. Tout ça pour dire qu'on n'a même pas encore vraiment cherché la mission par rapport à ce qu'on doit faire. On doit utiliser la radio pour localiser des choses. On a toujours pas fait ça. C'est toxique là. Je sais pas. Oh putain, je comprends pas. Non, c'est pas toxique. Oula, c'était quoi cet écran bizarre? Ce flash. Y'a pas de l'eau, ça va. Est-ce qu'on peut ouvrir? Ah oui, non, là ça mène dans le bâtiment. Non, c'est là qu'on veut aller. En plus, on dirait que c'est fait exprès pour pouvoir passer. C'est top quand même. Et là, on peut faire du feu, là. Putain. Ah, yes, on peut faire du feu. Ok, ça marche. On peut faire du feu partout, attendez. Ouais. Ok, là, on peut faire du feu, là. Donc là, on peut faire cuire nos trucs. Ça va, c'est cool. Parfait. Alors, ce que je vais faire, je vais rentrer, moi. Je rentre, comme ça sauvegarde. Ce que je vais faire, parce que là, il y a plein de nourriture et il y a beaucoup d'objets à ranger et à faire, là. Attendez, on va d'abord poser les pots, c'est le plus important, parce que sinon, je vais oublier. Parce qu'elle n'est pas complètement fatiguée. Je voudrais utiliser quelques heures, en fait, pour... On a ça. Bah attendez, on va faire comme ça. Et je me dis que je vais peut-être en profiter pour faire cuire tout plein de trucs. Ah là, on a fait une super aventure. Là, c'était nickel. Là, c'était super. C'était parfait. Très bien. Puis en plus avec l'ours, ça c'était le pompon quoi. Parfait. Tout ce qui est électrique ici. Ça va. Ça gère. Ça c'est ce que j'avais ramené de la base, du camp. On a encore tout ça à prendre. Ok. C'est ce que je vais faire. Je vais sortir, rentrer. Et en sauvegarde, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Parce que ça va être trop long. Je vais pas le faire maintenant, parce que notre épisode, c'est bon. On a déjà dépassé l'heure, donc c'est un peu trop long. Ça fait 3 fois, je crois, d'affilée que je fais des épisodes plus longs. Mais la zone est méga grande et tout. Il y a tout le temps des trucs à faire et c'est super fun. Donc, ce qu'on va faire, moi, c'est que je pense que maintenant, vu qu'on a une bonne réserve de nourriture, on va rester dans le secteur.
et on va fouiller de fond en comble. Donc ça va peut-être nous prendre 2 ou 3 heures, un truc comme ça. Ça va être grand, hein. C'est super grand, donc ça va être super long. Et on essaye de trouver des choses intéressantes. Des thermos, s'il vous plaît. Mais voilà, je pense qu'on va rester comme ça. Et moi, entre-temps, je pense que je vais cuire la totalité de la nourriture. Parce qu'on a pas mal de bois. Je peux faire un feu ici. Donc, en théorie, il va être complètement protégé, en fait, du vent. Quoique, il n'y a pas tous les endroits. Là, on peut pas sur ce sol-là. Mais là, on... Ah, là. Normalement, là, on prend aucun vent. Hein. Bah, je testerai. Je testerai, je vous dirai. Il y a même toutes ces palettes. Je peux les casser, tout ça. Enfin, voilà. Je vais faire un feu... qui va durer très longtemps vu qu'il est dehors, et on va cuire toute la viande. Et fais voir un peu ce qu'on a récupéré du coup pour la viande. Donc on a 1, 2, 3, 6, 7, 8, donc on a 8 kg de gibier à peu près. On a 2 kg de lapin, et après pour l'ours on a 1, 2, on a quoi, 3, 6, 9, putain on en a beaucoup. On en a beaucoup, je suis assez content, on a tout ça de viande. Donc on est bien pendant un très long moment, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Et bien sûr, on a le jerrycan. Donc, ouais, tip top, tip top, tip top. Putain, je suis content. Je suis très très content. Donc, on verra ça la prochaine fois. Et on fera ce bâtiment, on fera ce bâtiment de fond en comble aussi. Peut-être qu'on ira aussi vers la mine qui est là. Après, je sais pas s'il faut absolument des vêtements de protection. Ah tiens, j'ai pas fait ces trucs-là. Putain, je continue à jouer, merde. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait un cadavre. Ouais, parce qu'on est tellement allé vite. On peut rentrer. Y a pas de... Non, y a rien. Ok. Intéressant. Bon bah rien. Ah bah du coup c'est là qu'on descend. Ah oui mais c'est pour ça que je l'ai pas vu parce que nous on passait par là. Ok. Ça marche. Donc là c'est par là qu'on descend avec des véhicules pour la grotte. Pour la mine pardon. Intéressant. Ouais nous on est passé de ce côté là en fait. C'est pour ça que j'ai pas vu. Ok, bon bah du coup on va re-rentrer pour sauvegarder. Et ouais, je vais passer un peu de temps. Et après on partira à la découverte des bâtiments. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao!